aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des gorges de l'Ardèche. En partant de Ponsat d'Esprit pour arriver à Vallon-Combac. Bonne promenade. Une belle promenade. Avant d'entamer l'ascension des gorges de l'Ardèche, j'ai fait un petit arrêt au bar-restaurant pizzeria Le Camargue pour faire le plein des bidons. Parce que là, on en a quand même pour un petit temps, entre 30 et 35 km.
belvédère numéro 3 et le belvédère de Lourpierre. Je vais pas m'arrêter à chacun, sinon je vais jamais rejoindre le loup et les enfants. Mais je voulais juste vous montrer ce qu'on peut voir quand on prend le temps en traversant les gorges. Voilà, c'est ce genre de petites choses. Est-ce que c'est pas joli ? On va pas aller plus vite. Encore un petit arrêt. Et ici, on est au balcon Gournier. C'est écrit sur le poteau là. J'espère que vous savez lire. Et là, on va descendre 3 ou 4 marches pour aller admirer le paysage. Et la vue assez fantastique. Je vais faire un petit 180 là. Dans le fond, on a envie d'y être, surtout aujourd'hui quand il fait comme maintenant 35 degrés.
vous avez fini les gorges de l'Ardèche. Le Graal, comme toujours, il y en a un, ben, c'est la descente, mais ici elle est super courte. Mais c'est plutôt ce petit pont. Voilà. Puis cette plage, qui là est relativement vide, mais qui risque très très rapidement de se remplir. Petite photo souvenir quand même avec le vélo, avec le cadre. Et nous on va continuer par là et on va aller aux Vences rejoindre la petite famille.